quand on dit une fois les choses en général, tu comprends? Eh ben pour moi c'est pareil. Oui mais là ça fait 48 fois maman, tu vois c'est du bourrage de crâne là. Oui ben c'est ok, de toute façon on se voit demain. Ok c'est ça, je t'embrasse. Non là le rugby je te le dis Michel, ça va pas être possible hein. Ah. Oh, mon amour des roses. Hein? Oh. Ah oui. Ah bah. Mmh. Je les ai pris rouge. Parce que tu sais, rouge, amour, toujours. Bah oui. Bon ben je, j'éteins alors. Non, 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 laisse. Non, c'était sur le coup de la colère, ma mère, tout ça. Merci mon amour. Ils sont belles, hein. T'es amoureux, toi, hein. Mmh. Je reviens. Allez. Ben, je suis parti, les copains. Attends. Laisse-les moi, je t'en supplie. Pap, c'était en train de me fissurer la main là. Allez, je te les rachète. Non. Le double. Non. Le triple. Non. Pardon. Merci. Je vais leur couper la queue. Oui. Elles sont belles, hein. Mams. Oui. Ça va? Ouais. Ça te fera un total de 60 euros, s'il te plaît. Allez, bon match. Ciao. C'est cher du match. Hein. Que tu t'en fiches, ça te dit qu'on regarde un bon film romantique? En fait, c'est l'histoire de deux hommes qui s'aiment dans la montagne et qui sont déchirés par leur passion. Ah. C'est sur la 6, hein. Tiens, attends. Ah bah c'est bon, ouais. Ça commence. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Suis-je amour ou Phébus? Lusignan au Biron, mon front est rouge encore du baiser de la reine. Gérard de Nerval, ça me prend au trip comme c'est puissant. Ouais, moi ça me prend la tête comme je capte rien, quoi. Mais c'est la période du romantisme, de Nerval, Mallarmé. C'est mal foutu quand même, parce que tu vois, les meufs à l'Antiquité, tu les aurais toutes pécho. Une petite poésie sur un air de synthé, et là c'était torché, tu vois, mais bon. Là, à part la prof de français, je vois pas qui tu ferais fondre avec ton Barnabé, là. Mallarmé. De toute façon, je sais pas pourquoi je parle poésie avec toi. C'est parce que je suis sensible. Oh putain. Je les digère pas du tout, ces chips, elles sont trop grasses. On parlait de quoi? Tu sais la copine de la sœur Maïva? De Maïva. Oui, de Maïva. Bah, elle a décidé de se faire tatouer le prénom de son chéri, mais ici, là. Mais avec l'aide dans le désordre. Comme ça, c'est une dédicace pour lui, et puis les gens qui savent pas, et ben, ils peuvent pas comprendre. Ah ouais, merci, c'est pas une déclaration d'amour, ça, hein. Il s'appelle comment, ce garçon? Luc. Ah oui, donc dans le désordre, ça fait Hulk. Ou cul. C'est vrai que c'est d'un romantisme fou, hein. Dis, ma chérie, si tu pouvais éviter de te faire tatouer les chemises pour me déclarer ta flamme, ça m'arrangerait. Bah c'est bien ce que je disais, hein. Vous pouvez pas comprendre.